Bonjour, je m'appelle Clarence Pitz et je suis l'autrice de trois polars, La parole du chacal, Ineffaçable et mon petit dernier, Meurt mon ange. Ils sont tous les trois édités aux éditions IFS dans la collection Phénix Noir. Aujourd'hui, je vais répondre à trois de vos questions. Pourquoi avoir choisi le genre policier ? J'ai choisi ce genre-là tout simplement parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai grandi au milieu des livres policiers, des thrillers, on se les échange dans la famille, on se les prête, on se les offre, on se les emprunte et on se les rend parfois ou pas. Qui décide du déroulé de l'intrigue, vous ou vos personnages? Alors, dans un premier temps, c'est moi qui décide du sort de mes personnages. Et puis, il y a toujours un moment où ils prennent leur indépendance, où ils commencent à décider eux-mêmes de leur vie et je dois les ramener sur le droit chemin. Je dois revenir en arrière, je dois modifier certains passages. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'en définitive, c'est moi qui décide de leur vie ou de leur mort. D'ailleurs, il y en a un qui m'a encore supplié cette semaine de l'épargner, mais rien n'y a fait, je l'ai tué. Est-ce que vous vous interdisez des choses? Alors, pas du tout. Je pense qu'en art et en littérature, c'est très important de garder sa liberté d'expression. Donc, le thriller, le roman noir sont vraiment des terrains fertiles à l'expression, mais aussi à la réflexion. Et je crois sincèrement qu'il ne faut absolument rien s'interdire. D'ailleurs, chez moi, tout y passe, pas que les hommes, les femmes, il y a les chiens, les animaux, les canaries, les tout. Vraiment, je pense qu'il ne doit y avoir aucun tabou.